cette nuit, c'est pas tout à fait. Si tu veux connaître le droit à l'emplacement des caméras, il faut se rendre au poste de police. Avec le ciel, te reçoit et tu demandes à l'émission. Ce n'est pas possible. Pourtant, dans le règlement, on a apparemment accès à ces données sur Internet. Mais elles n'y sont pas. Quel règlement ? Attends, j'appelle mon collègue. Ah bah non, c'est pas possible. Nous, on n'a rien du tout. Quoi vous voulez savoir ? Nous, on n'a rien, on ne veut rien. Il faut aller voir M. Tel et Tel à l'hôtel. Rendre public ce texte. Depuis où tu es assis ou assise,
Tu devrais apercevoir l'horloge. Peu importe où tu te trouves sur la place, tu la vois. Ou du moins, tu l'entends. Tu l'as vue? Elle est là, juste au-dessus du poste. Dans le coin de la place, de l'autre côté de la route. Elle a une forme cubique. Du coup, tu peux y lire l'heure depuis chaque coin. Tous les quarts d'heure, elle sonne comme le Big Ben. Ça me fait gentiment sourire. L'idée que d'un coup, on puisse comparer cette petite ville au ciel à la capitale de l'Angleterre. J'insiste un peu sur ce rendez-vous, car j'aimerais bien pouvoir te raconter ce que l'on m'a dit de ce lieu. Comment il a changé, ce qui s'y trouvait avant et comment on en est arrivé à y créer une place de la rencontre sans s'y rencontrer. Suivez-nous. Hasard. À la prochaine. Ah, mais il faut découvrir les places. Rendez-vous. Des poupées, des tableaux,
les drapeaux, les maris et des Jésus en porcelaine, les bougies entourées d'un fin ruban de couleur, des draps et des housses, des objets en terre cuite ou en étain, de la vaisselle, des assiettes, des verres, des tasses, des pots et des civils. Et puis il y a la nourriture. Les biscuits Maria, les bonbons, la gelatina royale, les poires. Viviane, il y a un magasin sur la place qui s'appelle Casa Portuguesa de Mil, qui est déjà rentré. L'intérieur du magasin ressemble à leur vitrine. Tu y trouves de tout. Non seulement de la nourriture portugaise, mais aussi toutes sortes d'objets. Des poupées, des tableaux, des drapeaux, des mariés et des Jésus en porcelaine. Des bougies entourées d'un fin ruban de couleur. Des draps, des houses, des objets en terre cuite ou en étain. De la vaisselle, des assiettes, des bonbons. La gelatina royale, des poires de rocha, des oranges d'Alia, des tomates de Castilla, des pâtisseries, la liste est longue. Presque tout est importé du Portugal,
Ils ont un camion qui vient du pays 4 fois par semaine pour leur magasin dans le Valais. En bruit de fond, des conversations en portugais. Je quitte un instant la ville de Sierre en me baladant entre les rayons. En m'approchant de la caisse, pour rencontrer la patronne, je tombe sur les cartes de visite. Il y a Susana de Santos, conseillère en prévoyance de l'Alliance Sierre. Acheter l'horloge, transférer tous les câbles pour la faire.
depuis le magasin. Ça dépend des coûts, comme tant d'autres choses. Est-ce une question économique qui déterminera si l'horloge gardera sa place ou pas? Voilà.